voté pour qui là? Le numéro 6. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et bienvenue sur notre vote spécial Tour du Monde. Préparez-vous à vivre des émotions fortes et à voir du pays en montant à bord de notre jet privé Miss 15-17. Si vous êtes prêts pour le décollage, alors je vous laisse observer nos consignes de sécurité à l'occasion d'un tableau réalisé par nos hôtesses de l'air, les Miss en titre et nos candidates habillées par la boutique Tentation à Grès. Les téléphones portables doivent maintenant être éteints et ce jusqu'à l'arrivée de notre point de stationnement. Veuillez attacher et ajuster votre ceinture de sécurité. Au nom du comité Miss Franche-Comté et de ses partenaires, nous vous souhaitons la bienvenue à l'élection des Miss 15-17 Franche-Comté 2018.
Dans un premier temps, je vais vous présenter la présidente de notre jury, Roberte Fouillot, qui est une partenaire et gérante de la boutique Tentation à Grèce. Je vous laisse l'applaudir bien fort. Bérangère Gilberte, présidente du comité Miss 15-17 National. Merci de nous faire l'honneur de ta présence. Voilà. Florent Mantet, partenaire pâtissier Mantet à Val d'Oise. J'espère que vous allez bien, cher Franc-Comtois. Oh là, là. Il paraît qu'il y a de l'ambiance en Franche-Comté, mais je trouve pas trop, là. Est-ce que vous allez bien ce soir? Oui. Voilà. Donc moi, je suis ravie d'être ici. Bon, je connais la Franche-Comté, puisque j'y ai fait mes études pendant un an, il y a quelques années. Mais voilà, c'est la première fois que je viens à l'élection de Miss 15-17 Franche-Comté, puisqu'à chaque fois, j'avais d'autres élections en même temps. Donc là, j'avais promis à Pauline et Marjorie que je serais présente cette année pour la remise de titre de notre magnifique Pauline. Et donc voilà, c'est un plaisir, malgré quelques petites galères de train ce matin. Voilà, je suis bien arrivée, je suis ravie d'être ici avec vous ce soir. Donc, en Franche-Comté, avoir traversé la France. Merci, parce que tu viens du Pays de Loire quand même, il faut le souligner. Donc merci, on est très contente de t'avoir parmi nous ce soir. Donc au nom de tout du comité, on voulait t'offrir ce présent. Déjà, je vous remercie vraiment d'être tous nombreux ce soir. Je tiens à vous présenter toute l'équipe qui m'entoure toute l'année, puisque sans eux, je ne ferais pas grand-chose. Toute l'année, on parcourt la Franche-Comté grâce à tous nos partenaires qui sont fidèles depuis maintenant 4 ans. Donc, je ne vais pas tous les citer, vous les regarderez sur les diaporamas, mais ils sont très nombreux. Mesdemoiselles, au sein de ce comité Miss Franche-Comté.
Est-ce que l'une d'entre vous aura envie de s'exprimer sur son année? Ne me faites pas cette joie, hein, de... Bonsoir à tous. Pour mon année, c'était une autre année de mon année. J'ai passé une année formidable avec des personnes formidables. Aussi bien que ce soit les personnes du comité, du staff, que mes copines. C'est plus que des copines, c'est pas des copines en fait. C'est un peu comme mes sœurs. C'est des filles à qui je me suis énormément attachée. On a passé énormément d'heures ensemble, énormément de week-ends. On a rigolé, on a pleuré. On a partagé beaucoup de choses ensemble. Et pour moi, c'est une famille. C'est ma deuxième famille. C'est une expérience que j'oublierai jamais parce que c'est des liens qui sont tellement forts que quand on n'a pas vécu, on ne peut pas savoir ce que c'est. Et c'était vraiment le plus beau souvenir de ma vie jusqu'à présent. Donc pour commencer, j'espère que vous passez une excellente soirée et que vous êtes heureux d'être parmi nous ce soir. Alors, j'aimerais m'exprimer de façon un peu longue, mais j'ai envie de vous expliquer l'année que je viens de passer en quelques mots. Merci à nos magnifiques Miss, hein, dont on est très fiers. Mesdames et messieurs, je vais vous laisser regarder le portrait de nos candidates du numéro 1 au numéro 6. Et j'ai 16 ans. Je suis en première économique et sociale au lycée Gustave Courbet. Mes passions dans la vie sont la cuisine et le sport.
Si j'ai décidé de me présenter au Miss 15-17 Franche-Comté, c'était pour faire une nouvelle expérience et rencontrer de nouvelles personnes. Pourquoi voter pour moi plutôt que pour une autre? Car je suis ouverte d'esprit et je suis toujours souriante et positive. Je vais appeler notre charmante candidate numéro 6. Bonsoir mademoiselle. Est-ce que vous pouvez me rappeler votre prénom? Bonsoir à tous, je m'appelle Ariane. Ariane, dans quel pays voudrais-tu ou aimerais-tu vivre? Bonsoir. Donc j'aimerais vivre en Angleterre, bien évidemment pas pour les températures, mais plutôt pour la langue parce que je suis passionnée d'anglais, j'adore ça, et puis je trouve que les Anglais sont très sympathiques. Bah dis donc, très bien, merci beaucoup. Candidate numéro 6, je vous laisse... Comme des oriflammes, le long des bergements. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent, pleins de prières et de drames, aux premières lueurs. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent, dans la chaleur. Fortune a décroissé la lune, a bouffé des haubans, et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites, que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie. Puis se lève tout riant dans un bruit de tempête, referme leur braguette, les sarins qui chantent, les rêves qui les vendent, au large de la Serre.
Thank you.
Thank you.
collaboration qu'ils ont passée pour nous faire vivre ce beau moment. Je remercie tout particulièrement le groupe de hip-hop Showtime, notre fabuleux groupe de danse MLS Corifé avec Marco, Léna et Iris Moïté, Roberte Fouilleux de la boutique Tentation avec Margot Bougin et Charlène Michaud, je ne sais pas s'ils sont sur scène, non. Point encore, en tout cas on les remercie chaleureusement. On remercie également, voilà, très bien, très bien, Marie, Tiffany, Louise Portet et Marjorie. Sincèrement, que nous vous remercions pour cette soirée et aujourd'hui, à nos yeux, vous êtes toutes les gagnantes. Mélissa. Alors, juge, je pense que vous trépignez d'impatience de connaître le nom des heureux élus. Je voulais juste, par contre, remercier toutes ces magnifiques jeunes filles qui ont fait la route avec moi pendant un an. Elles ont été incroyables. Elles n'ont pas manqué les manifestations, elles ont répondu présentes, toujours avec le sourire. Je perds mes mots parce que ces moments sont toujours difficiles. Alors avant d'annoncer les résultats, effectivement, on a une petite surprise pour nos Miss, en plus que j'ai préparé, mais voilà. Donc je vous laisse regarder tout ce qu'on a fait pendant une année, c'est très court. Et justement, ça permettra de voir à ces demoiselles qui vont faire l'aventure l'année prochaine, de voir ce qui vous attend. Voilà, merci. Merci également à nos maquilleuses et à nos coiffeuses qui ont été exceptionnelles ce soir. Merci à elles, on les applaudit bien fort, merci beaucoup. C'est grâce à elles qu'on a de si jolies Miss. J'espère que vous avez passé une belle soirée. Non, je pense que vous dormez là. Est-ce que vous avez passé une belle soirée? Pauline? Je vais quand même dire un petit... franchement, tu peux être que fière de toi, du parcours que tu as évolué. Ton texte que tu as dit tout à l'heure était magnifique. J'ai même eu le droit de pleurer sur mes fiches de jury, je te raconte pas l'état. Donc voilà, vraiment, sois fière de tout ce que tu as fait. Tu resteras sur Facebook. Mais là, d'être en vrai, c'est vraiment parfait. Vraiment, je me suis régalée toute la soirée. Donc bravo pour tout le travail, je sais ce que c'est. Donc je sais que c'est énormément de travail en un an. Donc bravo à toute l'équipe, que ce soit les bénévoles, les techniciens. Bravo à tout ce que vous avez, pour tout ce que vous avez fait. Les candidates, j'ai dans la main les résultats. Comme je vous l'ai dit, vous pourrez crier tant que vous voulez. Les jeux sont faits maintenant. Comme je vous l'ai dit avant l'élection, peu importe qui remporte une écharpe ce soir, vous méritiez toute sa... Bon, je vais pas réussir à parler, hein. C'est pas grave, je les garde avec moi. Voilà. Je vais rentrer en Vendée avec les enveloppes. Ça vous va? Et mon dernier mot... Depuis que je fais ça, il y a moins d'histoires. Les filles ont vécu une aventure qui restera unique, qu'elles ne revivront peut-être où. Donc voilà, juste, soyez fiers de vos filles et nous, et puis profitez de cette victoire ou non, puisque de toute façon, elles ont toutes gagné quelque chose, que ce soit en maturité, etc., pour la suite, même pour leurs études. Donc, s'il vous plaît, respectez ça. Merci beaucoup. ...qui s'est démarqué pour son investissement et pour son enthousiasme tout au long, voilà, de cette petite aventure de préparation à l'élection. Pour le prix coup de cœur de cette année 15-17-2018, tu peux m'ouvrir l'enveloppe puisque je suis fortement...
Donc la candidate qui remporte cette année le premier prix, donc le premier prix, c'est la première fois qu'on donne ce prix-là, c'est le prix coup de cœur. Donc c'est une candidate qui s'est vraiment investie tout au long de l'aventure. Et puis bon, elles sont toutes investies, mais voilà, enfin, j'espère mes mots. Mais bref, donc la candidate qui aura ce prix du coup de cœur et qui fera une année avec nous est la candidate qui portait le numéro 17, Jeanne Van de Kerkhove. Jeanne qui gagne un haut pailleté par la boutique Tentation à Grès, un paquet cadeau offert par le Corbeil des Saveurs à Grès, un grand paquet de produits de beauté offert par Grain de Beauté, une box beauté et brochée offert par le comité, 100 cartes de dédicace offert par la candidate numéro 16, Nour Soltani. Un grand la Miss Gagnon. Le prix de la photogénie est attribué à Ruster Caroline. Merci et bravo. Pour le prix de la photogénie, hein, ce sont exactement les mêmes cadeaux pour le prix de l'élégance. Hein, nos Miss sont vraiment gâtées. Et 2018 portait le numéro 4, Juliana. Franche-Comté 2018. Portait le numéro 11, Laura. Comptez 2018. Portait le numéro 10, Noémie. Nous approchons grandement du moment que vous attendez tous. Donc celle qui représentera la région Franche-Comté à l'élection nationale 2019 s'appelle Requet Gaël. Candidat numéro 14. Dont on ne parle pas assez à la fin de cette